on essaie de réviser. C'est à ma mère que je parle, pas à toi. Ma puce, qu'est-ce qui ne va pas? Jessica n'est plus abonnée sur ma page. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Henry, pourquoi elle a fait ça? Il s'est passé quelque chose? Ben voilà, elle a posté une photo d'elle, de moi et d'Alison. Alors moi, j'ai mis un commentaire qui disait « OMG, trop choupinette ». C'est mignon tout plein. Non, parce qu'Alison a cru que je parlais d'elle. Alors elle a posté un commentaire « Merci, je t'aime ». Et après, Jessica était jalouse, elle s'est désabonnée et maintenant je m'en veux et je me déteste. En parlant de partir... Ah, oui, on doit y aller. Tu veux en dystopie, toi aussi? Non. Je dépose ces deux nazes à l'aéroport, ensuite Chose m'emmène en Floride en hélicoptère. Le cyclone Piper est sur le point d'arriver, les mecs! Peace! Et je le répéterai jamais assez. Je vous kiffe. Salut, Piper! Oh non! Jasper est là! Piper, sois gentil. Mais Jasper est tout le temps fourré chez nous! Ça ne va pas du tout! C'est bon, je vais aux toilettes! Oh non, maman, Jasper va utiliser nos toilettes! C'est pas possible! Rendez-moi mon téléphone! Non, la règle, c'est oui, la règle! Oui, c'est on, la on, même! On va pas s'attarder là-dessus! Ah, elle me mord la main! Non! Elle est folle, regarde-la! Arrête-toi! T'es mis ou rien! Je vais m'en aller gentiment. Riche idée, oui. Oui, moi, je n'ai que des bonnes idées. Parfait. Mais sachez que je reviendrai quand vous ne vous y attendrez pas. Oh, mais je serai là. Tu n'as pas eu le costume que tu voulais? Non, je lui ai dit clairement de me commander un costume de Taylor Swift. J'ai commis une erreur. Et à la place, il m'a commandé le costume de Jonathan Swift. C'est qui, Jonathan Swift? Oui, exactement. Et pourquoi t'es sous la table? J'ai fait une bêtise avec mes cheveux. Ah, allez, Piper, je suis sûr que c'est pas si catastrophique. Oh la vache, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? D'accord. J'ai voulu me couper un peu les cheveux pour égaliser et ressembler à ma poupée pour Halloween. C'était une bonne idée de costume. Mais quand j'ai égalisé, j'ai remarqué que le côté droit était un peu plus long que le côté gauche. Alors j'ai coupé un peu plus à droite, mais j'en ai trop coupé. Donc j'ai essayé d'égaliser à gauche, mais j'ai encore trop coupé et ça n'a pas arrêté de se répéter. C'est égalisé au moins. C'est sur mon visage, 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 c'est sur mon visage. Tout est sous contrôle. Hé, gamine, arrête de courir que je puisse lui tirer dessus. Il saura éviter un dommage collatéral. La créature a un peu mâchouillé le haut de sa joue, mais à part ça, elle va bien. Ça ne va pas du tout! Ah! C'est pas vrai! Mon propre frère est Kid Danger? Non, c'est pas moi. Enfin, c'est pas lui. Enfin, je veux dire, c'est pas nous, quoi. D'ailleurs, c'est qui ton frère? Il est sûrement hyper cool, mais c'est pas moi. Il faut partir maintenant. Et vous, là? Vous devez être son patron au Ciné Club. Exact, en plein dans le mille. Elle est maligne, ta sœur, Henry. Sérieux? Oui, c'est bien ton frère, et je suis son patron. Alors fais comme chez toi. Et moi, je reste... pas là. Je t'interdis de faire du mal à Kid Danger! Faut pas terrifier. Mais cette graisse pourrait nous rendre riches. On n'a qu'à devenir dentiste. Comment t'as eu cette vidéo? Je parie qu'elle me l'a piquée dans ma clé USB. Peut-être bien que oui. Qu'est-ce que t'es vicelard? Piper, faut pas que tu mettes cette vidéo sur Internet. Je compte pas le faire. À condition qu'il m'emmène chez Marla en me portant sur son dos. Non, pas question. Nanana. Bon, bon, très bien, d'accord. Allez, monte! Vas-y, monte! Non. S'il n'avance pas assez vite, tape avec les talons! Yeah! Wow! Vous allez m'asperger avec un truc qui va faire que des centaines de papillons vont venir recouvrir tout mon corps? Sans moi!
Bon, tant pis. On te comprend. Ouais, on t'a demandé ça juste... Ouais, tu vois, c'était pour faire diversion. Il est prêt. Pourquoi? Voir si ça marche. Ben voilà, ça va aller. C'est par là, la salle. C'est sans danger. Arrêtez, vous forcez un peu, là. Salut. Non, c'est pas sympa. On n'y croyait pas, mais ça marche. Purée! Quoi? T'as appelé Jeanne à Tetrazzini avec ton derrière! Et alors? Je déteste Jeanne à Tetrazzini! Alors pourquoi t'as son numéro dans ton téléphone? Parce que ça me permet de savoir que c'est elle quand elle me téléphone et comme ça je lui réponds pas! Oh! Toi, je t'adore! Je m'en tape! À qui tu parles? Un instant. À personne. Je fais semblant d'être au téléphone pour ne pas devoir aider papa dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fait dans le jardin? Il écoute de la K-pop et construit une piste de patins à roulettes. Quoi? C'est dingue parce que c'est justement l'excuse que je viens d'utiliser pour ne pas travailler. Waouh, ouais. Tu as dit que ton père construisait une piste de patins à roulettes pour ne pas aller au travail. J'essayais juste de communiquer avec ma sœur. Attention, chers gagnants du concours ainsi que vos invités. Vous pouvez sortir les sacs. Soyez les bienvenus à la Man Cave. Wow! Je m'appelle Jasper, vous vous souvenez de moi? Ouais. Pourquoi t'es dans cette tenue? Oh, c'est elle qui m'a obligée. Très joli. Tu peux t'éloigner, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Nul doute que vous connaissez tous mon acolyte. Kid Danger! Oui, c'est ça. On est très heureux de vous accueillir dans la Man Cave. Est-ce que quelqu'un a commandé des... Christo. Où les avez-vous pris? Ces petits machins. Sur la droite, évidemment. Merci, c'est génial. Tout va bien se passer. Mais j'ai aussi pris ces petits coquins dans le tube de gauche, juste au cas où.